Abonne-toi et active la cloche. Coucou mes chouchous, mes bibis, mes doudous. Et ben voilà, je vais vous parler d'ici. Je suis un petit peu fatiguée. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le temps morose. Il fait pas beau aujourd'hui. C'est un peu un temps grisâtre. C'est un temps à rester. Bon, je suis en télétravail le matin et l'après-midi, je suis en vacances. Parce que je me suis arrangée comme ça pour. Ben, tout simplement pour pouvoir profiter l'après-midi et me reposer un petit peu. Parce qu'il faut savoir que on va dire dans quelques temps, je vais être à la retraite. Je dirais dans 2 ans, j'attends encore et dans 2 ans, je suis à la retraite. Hop, les lunettes. Et puis, ben, qu'est-ce que je peux vous raconter? Ce midi, j'ai mangé du steak tartare avec des frites. Alors, frites. Steak tartare, carottes râpées, mâche, avocat, tomate. Bon appétit. J'adore ça. Dites-moi aussi ce que vous aimez, ce que vous voudriez voir sur ma chaîne comme vidéo. Ça me ferait plaisir. Parce que c'est vrai que là, je vous présente des choses. J'ai changé complètement ma façon de voir les choses. C'est vrai que je ne vais plus trop à action parce que tout simplement, je n'ai pas envie. Alors, je vais vous dire un truc. Je devais passer à la télé. Je ne sais pas si j'y passerai ou pas. Mais bon, ça m'est égal. Franchement, c'est pas grave. Mais j'ai été filmée, un reportage sur France 2. Et apparemment, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Voilà, ben, j'ai rien envie de faire. Mais franchement, rien. D'habitude, je fais de la peinture. Rien. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais pas. Et je suis sur mon canapé. Tranquillou. Je sais pas. Vous racontez des choses, je sais pas trop. Bah, pour le confinement, je sais plus où on en est. Ça me saoule. Franchement, c'est tout et son contraire. Il y en avait un, il y avait un médecin qui disait « Oui, il faut confiner. » Et hier, il dit « Tous dehors. » Non, mais l'autre, il ne sait même pas ce qu'il veut. Un coup, il dit « Tous confinés, confinés. » Mais alors, c'était catégorique. Hein. Et là, maintenant, c'est « Tous dehors. » Il faut savoir ce que tu veux. Moi, j'en ai marre. Je voudrais bien que ça s'arrête. Je voudrais bien refaire les magasins, même si je n'achète pas. Je voudrais bien me balader sans angoisse, sans stress, sans masque. Voilà. Alors, par contre, pour le vaccin, je ne le ferai pas. Pour l'instant, je ne le ferai pas. J'attends celui de Pasteur. Parce que pour moi, l'Institut Pasteur, c'est le plus important. Voilà, donc je ferai Pasteur. Quoi d'autre? C'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est pas facile de parler comme ça devant vous, sans qu'on ait un interlocuteur, de vous raconter des choses. J'ai plus trop d'idées. Je suis trop contente parce que Yannick va peut-être venir demain, à moins qu'on est confiné. On ne sait pas si on est confiné ou pas. Et quant au confinement, moi, je dis que... Et je suis sûre qu'on nous prend pour des... Parce qu'ils ne savent même pas, en fait. Soit disant que c'était super grave, qu'il allait y avoir une vague monumentale au mois de mars. Et en fait, il y a des baisses dans les hôpitaux. Il y a des augmentations dans d'autres... Le Pas-de-Calais. Coucou ma chérie Pralinette. Ben oui, vous allez être confinés, vous, ce week-end. Alors, Paris, ils ne veulent pas être confinés parce qu'ils disent que si on est confiné, c'est une catastrophe. Et tant pis pour les autres pays, les autres régions. Ils n'en ont rien à foutre. Paris, c'est un peu égoïste. Hein. On a toujours dit que Paris était des chauvins. Hein. Moi, je suis parisienne, mais je ne suis pas chauvine. Hein. Voilà, mais peut-être parce que je suis d'origine pied noir par mon père et par ma mère archi-française. Vu le nom de ma mère, ça peut pas être plus français. Si je vous dis la poule au pot, voilà. Vous aurez deviné le nom de ma mère avec la poule au pot. Voilà, alors dites-moi ce que vous avez envie que je mette en vidéo, ce que je partage avec vous. Déjà là, c'est quelque chose d'énorme pour moi. Ça me fait penser à ma francette. Confidence sur le canapé. C'est exactement ça, je suis sur le canapé. C'est exactement ça. Ah, je fais ça parce que j'ai un problème avec les gencives, là. C'est horrible. Horrible. Là, j'ai super mal partout. La fille qui se plaint tout le temps, la mère Cerfeuil. Et puis, trop contente de l'après-midi. Alors, je ne comprends pas trop parce que
J'ai pas trop compris pour mes vacances. J'ai des vacances 2020. J'ai pas posé. Je me rappelle pas d'avoir posé des vacances en 2020, mais comme c'était très compliqué, voilà. Et du coup, les vacances de 2020 que j'ai, je les ai posées. Le matin, je travaille. L'après-midi, je suis en vacances. C'est cool, hein? Voilà. Et puis, sinon, bah, c'est pas trop. Là, je vous regarde là, mais je suis pas en état super, quoi. J'ai des acouphènes de malade. Oh la fille, poubelle, va à la casse, ma fille. Hein, je te le dis, hein. C'est la meilleure des solutions. Hein. Et encore, je crois même pas qu'il me reprendrait. La casse, il prendrait juste un morceau et le reste, il dirait, on n'en a rien à faire. Elle est bonne à foutre à la poubelle. Sur ce, ben, cette fois-ci, je crois que j'ai papoté. Je vais regarder la télé. J'aime bien. Dites-moi ce que vous regardez, vous, à la télé. Si vous regardez la télé, toutefois. Moi, je regarde la télé. Je regarde. Là, c'est moche ce qu'il y a à la télé. Là, j'aime pas. Alors, je vais regarder là. Si, j'aime bien Incroyable Transformation comme émission avec David Waldoff. Voilà, là, c'est les reines du shopping. Je suis pas reine du shopping. Je sais pas pourquoi. C'est pas mon truc. Je regarde pratiquement rarement les. Je zappe toujours quand c'est les reines du shopping. Ben, sinon, à part ça. Voilà, j'ai plus grand-chose à vous dire, j'avais juste envie de partager. Ah, j'ai plus de batterie. Bisous, je vous aime, I love you, je te quiero, te amo. Abonne-toi et active la cloche.